Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir comment changer un bouton de les vitres de Nissan Qashqai passager. Vous voyez juste ce bouton là. Donc ce qu'il faut faire, vous avez juste à démonter la petite garniture. Donc moi je prends des clés en plastique, ça évite d'abîmer. C'est un peu dur par contre. Bon, allez, vous voyez, vous avez juste à pivoter, voilà, et le bouton il est là. Donc le problème aujourd'hui, je peux pas poser la caméra, j'ai pas mon support, j'ai plus de batterie. Donc je suis obligé de le faire d'une main. Donc en fait, je vais pas vous faire montrer tout le tuto, mais c'est juste pour vous faire voir qu'il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, en fait, il y a des... Vous avez les pattes là, les pattes qui sont là. Donc vous les pivotez, après ça sort. Vous remettez le bouton dedans, vous voyez, avec les petits clips là. Et vous le rebranchez, il y a juste ça à faire en fait. Là, comme je le fais que d'une main et que je peux pas poser la caméra, je peux pas vous faire voir, mais c'est, y a rien de compliqué, hein. Vous avez juste à enlever, vous voyez, les deux pattes des deux côtés, vous retirez le branchement, vous le remettez dedans. Et voilà. Après, une fois que vous le remettez dans le support, vous avez juste à remettre le bouton. Donc bien faire attention à la patte, hein, de ne pas la casser. Vous la mettez en premier et vous clipsez. Et hop, voilà. Donc je pareil, je vous mets le lien du bouton si ça vous intéresse, si le vôtre il est en panne ou pas. Et voilà. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.